Bonjour maman Annie, comment ça va? Très très bien, merci. Merci pareillement. Bonjour à tout le monde, bonjour, 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 bonjour. Alright. Comment vous allez? C'est que vous me suivez depuis longtemps. Je suis là pour parler de la restauration. Ok? C'est bien ça. Tu as commencé les bains de pipi. Dans cette période, c'est tellement. Je vais vous parler de la prochaine étape de votre pouvoir. Vous suivez, non? Je vais d'abord commencer par vous dire ce que c'est qu'un choisi. Un choisi, c'est qui? C'est quelqu'un qui est toujours rejeté par sa famille. Rejeté, jalousé, incompris. La bête noire. Bonjour le banc. Dans ta famille, tu es toujours comme le black sheep. Je suis très sérieux ce matin. Vous pouvez le voir. J'ai bien mangé le matin. Un choisi, c'est quelqu'un que tu as toujours su en toi. Que je ne vais pas finir comme les membres de ma famille. Je ne vais pas finir pauvre. Je ne vais pas finir inconnu. When you're on pure, don't do the bath, Charlotte. Quand je fais mes directs, c'est très, très, très peu de fois que je vais vous parler des bains. Parce que je fais des petites vidéos pour vous parler des bains déjà. Okay. En 3 minutes, je ne peux pas vous exposer ce que je vais vous dire maintenant. Généralement, mes directs font 1 heure, 1 heure et demie. Donc, un choisi, c'est quelqu'un que très souvent dans ta famille, tu as un bon cœur. Donc, tu veux aider les gens. Tu as toujours voulu aider les gens. Tu étais simpleton. C'est-à-dire, tu étais trop simple. Donc, quelqu'un vient, il sait que ce qu'il voit avec toi, c'est ce qu'il a. What you see is what you get with her. Qu'elle ne fait rien derrière, elle ne se protège pas, elle ne consulte pas les. Tu vois, non. Elle ne cherche rien. Elle est là comme tu la vois là. Si tu veux savoir un peu sur elle, vient taper son ventre un peu. Vous connaissez chez nous, comme, ce que, vous savez ce que taper blanche veut dire. Taper, je dis même pas. Taper son ventre veut dire non. Tu arrives, tu parles avec la personne 2 minutes, la personne te dit tout ce que tu veux savoir. Dès que la personne vient chez toi, comme ça, elle passe un week-end là, elle fait 2 jours avec toi. Elle va dans ta chambre, elle voit tout. Donc tu n'as rien qui est caché quelque part. Il suffit qu'on tape un peu ton ventre comme ça, là, pop, pop, elle t'appelle en 2 minutes, tu as tout dit. Hier, on m'a dit que c'est les gens de ma famille qui veulent me détruire. Tu tout, tout. C'est comme ça que tu étais. Toutes tes choses, tu ouvres comme ça ta bouche, tu la tu dis aux gens. Une amie m'a dit ce matin que c'est ce qui entre dans ta bouche et ce qui sort de ta bouche qui va te tuer. Donc les choses que vous mangez et les choses que vous dites. Monsieur Leban, les femmes aiment les marabouts. Écoutez, les hommes partent chez marabouts puisque les femmes aiment. Mais les hommes cachent. Les femmes sont trop simpletons. Tu connais un coin, tu pars, tu montres à ton mari. Ah chérie, viens. Bébé, viens. Tu prends ma vidéo, tu envoies à ton mari. Non, ne donnez plus mes vidéos à vos maris. Ils vont me découvrir seuls. Ils ne veulent pas, ils laissent. Déjà que très peu de maris, de femmes qui m'écoutent même. Parce que ah, la fille là, elle bavarde de trop. Elle ouvre trop tes yeux. Ouais. Il vient voir tout ce que toi tu fais parce que tu lui montres. Mais ce que lui il fait, il ne va pas tout montrer. Comme ça que le jour où tu découvres, tu as mal. Je croyais que tu me disais tout. Je croyais que tu me montrais tout.
Le truc avec les choisis, c'est que tu ne peux pas avoir ton héritage tant que tu ne mûris pas. Tu dois mûrir spirituellement. Quand on dit que tu dois avoir tes choses que tu caches, c'est mal que tu fais du mal à quelqu'un. Mais tu es prévoyante. Tu es prévoyante. Parce que la personne qui veut tout savoir de toi là, tu ne connais pas. Il dit que le jour où tu vas découvrir les choses sur la personne, là, tu vas ressentir ça là. Il te disait toutes mes choses, pourquoi tu ne me disais pas? C'est ça que tu as mal après. Qui était bête? C'était toi qui étais bête. C'est toi qui étais bête. Bonjour, bonjour TikTok, bonjour Facebook. Partagez ma vidéo. C'est que si je ne dis pas partager, si je ne dis pas de partager, c'est que vous n'avez pas partagé. Vous voilà. Ne partagez pas avec des sceptiques qu'on est. Ce que je vais vous dire aujourd'hui est très sucré. Attendez. J'ai un témoignage là que je veux lire, mais l'ordinateur, j'attends que l'ordinateur redémarre. Donc, je vais relancer le redémarrage. Derrière chaque problème que tu as dans ta vie, il y a quelqu'un qui est proche de toi. Parfois, c'est ton mari. Parfois, c'est ta femme. Parfois, c'est ton frère. Même père, même mère, s'il vous plaît. Parfois, c'est ta soeur. Même père, même mère. Je sais que TikTok, vous êtes encore nouveau, vous venez me connaître. Facebook, là, ce sont les anciens. On est ensemble depuis longtemps. Elisia dit que tu as aspergé la maison avec l'eau du sel. Tu as vu les choses en songe. Maintenant, il y a un certain niveau spirituel et financier que vous ne pouvez pas avoir tant que vous êtes encore idiot ou bête. Tu as les pouvoirs. Mais tes pouvoirs doivent mûrir. Parce que ces personnes-là connaissent ta lumière depuis que tu es petite. Dieu dit que ma reine, non, le merci seul ne suffira pas pour témoigner ma gratitude. Le bain de sel a fait des miracles dans ma vie. Si je pouvais le faire, faire le voice. Il y a le numéro là-bas, tu peux faire le voice. Ou tu écris juste ton témoignage, on va le partager avec des gens. Parfois, ce sont tes parents. Parfois, ce sont tes parents. Non, quand tu commences ton bain de sel, votre problème c'est que avant vous ne vous faisiez pas confiance. Tu pries, tu demandes quelque chose, on te montre en rêve. Dès que tu te réveilles le matin, j'ai rêvé que on m'a montré que c'était toi qui me bloquais. Chérie, j'ai rêvé que tu me trompais. Tu es bête. Tu es bête. Mais c'est qu'avant, c'est ça que tu faisais. Tu es là, tes papiers sont bloqués depuis 7 ans. Tu as une personne dans la famille que quand tu appelles, tu lui dis. Ah, j'ai fait ma demande d'asile ici, là. Ah, j'attends la réponse. C'est ma cousine chérie, elle ne peut pas me... Tu ne sais pas que la mère de ta cousine là, elle a dépensé des sous pour que tu n'avances pas.
La mort de ta mère là, c'est elle qui est derrière. Elle-même essaie de te tuer. C'est seulement parce que tu es têtu depuis là. Tu es têtu. Elle essaie de te tuer depuis. Écoutez, quand vous commencez le bain de sel, préparez-vous aux révélations. Parce que les choses que vous allez voir, vous allez découvrir que la peau de votre dos vous trompait. Hey, mais c'était ma personne, hein, c'était ma jumelle. Hey, ma juju, ma jumelle. On se disait tout, hein. Non, non, toi, tu lui disais tout. Elle ne te disait pas tout. Tu as compris? Depuis que tu as 19 ans, dans ton énergie, dans ton aura, ta chance, tu devais te partir en Europe depuis longtemps. Ils t'ont bloqué. Te bloquer. Finalement, à 35 ans, 40 ans, tu te débrouilles, je ne sais même pas comment. Tu commandes les bains de sel comme ça là. Il y a une petite ouverture. Clap, te voilà, tu te retrouves en Europe. Tu crois que comme tu es en Europe comme ça là, ils vont te laisser. Hein? On va envoyer un éclaireur, une traître ou un traître. Tu sais que tu es ma soeur chérie, non? Hein, dis-moi là. Si tu as des choses à faire ici au pays, moi je peux faire, tu sais. Hein? Moi, je peux faire. Alors, dis-moi, ça s'est passé comment? Voilà, je vais partir au centre demain pour faire ma déposition d'asile. Voilà, je vais... Tu ouvres tout. J'ai rencontré un homme ici. Voilà, vraiment, si tout se passe bien, peut-être qu'il peut m'épouser. Hein? Il me donne même les papiers. 2 semaines plus tard, l'homme-là va te bloquer. Il ne va plus te chercher. Il dit que l'homme là ne va plus donc. Il comprend pas, mes relations ne disent jamais. Ma reine, pourquoi mais quand il rencontre un homme, ça ne dit pas. Ouvre toute ta bouche. Ouvre ta bouche. Je vous parle ça pour que vous-même vous voyez comment vous-même vous avez craché, versé vos choses depuis que tu es jeune. J'avais une personne comme ça. Je suis arrivé en Europe. Et passé des années, il y avait peut-être 6 ou 7 ans sans avoir de papier. Il y avait une de mes cousines. Et la mère de la fille a travaillé sur ces choses. Moi, ma mère était à monter. J'avais qui? La fille arrive comme ça, là, pam, pam, pam. En un an, elle demande l'asile. On lui donne tout marche. Il dit, hein? Elle doit m'appeler. Que ça se passe comment pour toi? Dis-moi, dis-moi. Et je raconte, je raconte. La personne arrive chez moi. Va fouiller dans mes choses pour voir le titre de séjour que j'ai. Pour voir le type de papier que j'ai. C'est 4 ans plus tard. Un de mes amis me dit que, est-ce que tu sais qu'à telle époque, dans ta famille, on savait tout ce que tu avais tel titre de séjour? En fait, tu n'avais pas de titre de séjour, on va dire comme ça. Quand je remonte en arrière, j'ai dit que la période là... Oh my God. Oh my God. Et moi comme ça là, comme vous me voyez là, hein, j'ai toujours eu, si c'est la chance, si c'est la don, quand je regarde à ma famille, Dieu a fait, je suis allée en Europe très vite. Je suis arrivée, dès qu'ils ont vu qu'elle est partie, hein, bloquons là. Tous ceux qui sont venus après moi, ils avancent, ils avancent, ils avancent. Je dis, mais c'est quoi ça? Parce que ce que vous allez comprendre, c'est que les choisis ont une étoile qu'on ne peut, on peut ralentir. Rappelez-vous bien de l'histoire de Joseph. Joseph a su très tôt qu'il allait devenir quelque chose. Je veux que vous analysez votre propre vie, même si ta mère a encore en vie.
Ce que les gens t'étaient dit là, même ta mère ne lui dit pas. Soit toi, tu mets ta vie comme ça, là, tu regardes. Tes choses sont faites très vite. Ta opportunité, parfois tu te maries, bam, tu es la première à te marier parmi tous les petits-fils ou bien toutes les filles, tout ça là. Après ton mari t'aime au départ, hein. 6 mois plus tard, ça devient l'enfer. Tu vis 5 ans d'enfer dans ton foyer. Tu dis que ça sort d'où? Quand vous parlez, vous savez, les organes, tout ça, hein, parce que l'homme est méchant et ça m'énerve. L'homme est mauvais. Quand moi je suis arrivée en Europe tôt, j'ai fait comme 2 ans en Europe là-bas. Les autres membres de ma famille ont commencé à venir. Et beaucoup d'entre eux rêvaient de partir dans les pays anglo-saxons. Moi, c'était un rêve que j'avais, mais avec mon statut, moi, ils savaient qu'il fallait, payer la caution de 18 millions. Ils savaient que mon père n'allait jamais donner 18 millions pour qu'il parte en Angleterre. Je reste comme ça, mon petit ami m'appelle, il me dit que j'ai une opportunité pour que tu viennes en Angleterre. Il dit, hein? Il dit, oui. Il me dit d'abord que demande ton visa, visite, tu viens. On monte le papier, papa, il monte ses petits papiers qui montent là. En Angleterre, avant, il ne vérifiait pas tout. Il m'a pas de chance comme ça là. Je fais premier visa, visite, on donne. Je vais dire à ma tante que je pars en Angleterre. Mais je ne savais pas que la chance que j'avais depuis dans ma famille, ça attirait beaucoup de jalousie. Vous me voyez comme je suis là, non? Il m'a regardé mon visage. Il était toujours joli et innocente comme vous me voyez là, brune comme vous me voyez là. Et très bête, très simple. Il était trop bête avant. Ouais, Seigneur. Quand on disait que lancer la poule, je savais que lancer la poule, c'est quoi? Donc voilà, j'arrive en Angleterre. Première fois, je pars. Je fais ce que j'ai à faire, je reviens. Et vous savez, dans votre destinée, il y a des choses que si vous observez bien, depuis que j'ai 20 ans, j'ai tout dans les avions. Quand ils m'ont bloqué sur place, j'ai fait 8 ans sur place. Pas de papier, donc je ne pouvais même pas prendre l'avion. Et je m'appelle que Seigneur, tu m'avais donné des prophéties. Tu avais dit des choses sur ma vie. Comment je suis bloqué comme ça? Vos blocages ne viennent pas de loin. Écoutez-moi bien. Et c'est que quand on me parle mes choses ici là. Premier visa, je demande. Je fais ça après 6 mois. Et à l'époque, vous connaissez le tcha-tcha, non? Le tcha-tcha, ou c'est le tcha des billets d'avion là? Ça fait il y a cela 14 ans comme ça. Donc à l'époque, ça passait bien. Donc mon copain que j'avais à l'époque là, lui là, paf, il restait comme ça là, il avait son ami. Donc il suffit qu'il donnait, peut-être 100 pounds. Le gars prend un billet de 400 pounds comme ça là. C'est comme ça que je me retrouvais. J'étais dans les avions. Tous les mois, je partais en Angleterre. J'ai fait 3 jours, je rentre. Je pars, je fais 3 jours, je rentre. Et ce sont les choses que je fais maintenant. Je n'arrive pas à tenir 2 semaines dans un pays. Parfois j'arrive et j'ai même pris le billet d'avion et je dis ok, je vais faire 2 semaines ici là. Je fais 7 jours et je dis que on me dit bon, maintenant c'est telle direction. Donc à l'époque, ça, c'était un truc qui avait commencé très tôt. Ils ont vu ça, ils disaient ah, tu vas partir en Angleterre, tu vas commencer à voyager. Ah. Oh Seigneur Jésus, analysez votre vie. Vous allez pleurer d'abord, vous allez finir de pleurer, vous allez comprendre que Dieu est en train de vous restaurer. Je fais 2 visas de 6 mois. Après, mon copain dit, mais attends, pourquoi tu ne viens pas ici la fréquenter? Je dis, ah. Il dit, attends, je vais trouver une solution. 2 semaines, 3 semaines après, il me dit, ah, il a rencontré comme ça un homme qui a une école. Il avait rencontré un monsieur bêtement. Le monsieur avait ouvert une école. Et en Angleterre, à l'époque, il suffit que tu aies le endorsement. Tu aies une sorte de lettre de prise en charge de l'école. Et on te donnait le visa. Il me dit, tu sais, tu vas demander le visa, tu vas dire à personne. Voilà au moins là où il m'avait quand même bien conseillé. J'ai fait mon truc, j'ai pris le rendez-vous à l'ambassade. Et c'était quelqu'un qui se battait beaucoup. J'avais aussi fait mon job d'été le temps là. J'ai pris... Je ne sais pas combien j'avais dépensé. J'ai payé tous les frais. Je suis allé, j'ai demandé mon visa. Moi, j'avais le cœur.
J'avais mes 20 ans comme ça, là, je pars, je m'assois, je demande mon visa. Je dis que je veux partir en Angleterre pour continuer mes études. Voilà, ça j'arrive. On me donne le visa. Un an. Je sors, je lui dis, j'ai le visa. Il dit, bye bye la Belgique. Me voilà qui part en Angleterre. Je ne savais pas comment j'arrivais en Angleterre comme ça, là, c'était le début. Après ça, j'ai fait 7 ans en Angleterre, entre 6 mois et demi, 7 ans. 6 ans et demi, pardon, 6 ans et demi à 7 ans. Je n'avais pas de papier. J'ai commencé à le faire. Quand je suis partie, là, bon, on s'est installé. On a eu un enfant. Écoutez, rescannez votre vie. Vous allez voir que on a bloqué vos mariages. On a bloqué vos papiers. On a bloqué vos voyages. On s'est séparés. Et quand les femmes sont commencé à se séparer, on s'est séparés bêtement. Je suis restée là-bas. Et c'est là qu'elle dit que j'avais cette personne de ma famille à qui je me confiais tout le temps. C'est plus tard que je me rends compte que cette personne avait toujours été jalouse parce que j'étais allée en Angleterre. Et quand je regardais les faveurs que Dieu me donnait, je disais, ah. Mais c'est naturel, non? On croyait aussi que ça va venir. Ça, c'est toujours, ça a toujours été ma mentalité. Genre, j'arrive quelque part, on dit que voilà, tu peux faire que les autres viennent aussi avoir pour eux. Je vais moi vous montrer. Même si vous allez venir, vous allez vraiment me faire encore du mal sur ça. Bon, mon contact, je donne mon contact, le contact pour les rendez-vous. Le WhatsApp, le numéro WhatsApp. 00237. 00237 680 71 07 01. 00237 680 71 0701. Vous écrivez là-bas, vous demandez le contact de Paris si vous êtes à Paris, si vous voulez les produits. Maintenant, si vous voulez la consultation, je ne suis plus la seule personne qui fait la consultation. Donc, parfois, quand vous payez la consultation, ça peut être la reine Marie-Blanche ou le roi Georges ou moi. Mais je prends principalement les consultations qui sont les consultations VIP. Généralement, c'est vous que je prends. Voilà. Mais sachez que toutes les personnes, toutes les consultations que je comprends, on communique tous ensemble. Donc, c'est pas comme si quand tu vas parler avec telle personne, tu seras... c'est juste qu'il y a des personnes que quand ils appellent, ils veulent forcément me parler. Et pour qu'on parle, il faut que ton esprit soit même... Si ton esprit est un peu un jalon, on ne peut pas se parler. Si tu as le mauvais cœur là, les mauvais ne te dérangent même pas. C'est qu'il va te rembourser ton argent. Donc, si c'est bien passé, le message est passé, c'est bon. Merci beaucoup, Michael. Merci pour la grosse fleur. Parlons, tapoter sur le direct. Je ne sais pas trop, apparemment, il faut tapoter pour que ça marche. Tapoter le direct, s'il vous plaît. Les gens de TikTok. Donc, 680-71-0701. Le numéro du Gabon, c'est le 00... 241 074 18 080. Voilà. Ok. Je continue. Burkina, peu importe votre pays, écrivez sur les deux numéros que je vous ai dit là. On va vous renseigner. 00237 680 71 0701. 680 71 0701. Voilà. Donc, je continue mon direct. Tout ce que je vous dis là, j'avais 22 ans. 22 ans, bonjour. Merci pour la casquette, Michael. Bon, voilà, j'ai un enfant. Je perds mes papiers. Et c'est comme je vous dis, c'est après que je me rends compte que beaucoup de personnes de ma famille étaient jalouses du fait que je me suis retrouvée en Angleterre.
Et moi, personnellement, c'était juste la faveur de Dieu, vraiment. C'est pas comme si j'avais dépensé des tonnes d'argent ou bien des millions de francs CFA. Non. La faveur, faveur, opportunité, petite opportunité, tac, comme ça là. Donc pendant ces 6 ans-là, j'ai des leçons que j'ai apprises. J'ai appris. J'ai appris. J'ai souffert, j'ai vendu les beignets. J'étais en Angleterre. Bonjour Steph. J'ai vendu les beignets. J'ai vendu les croquettes. J'ai vendu les caramels. J'ai fait de la nourriture. J'ai fait plein de choses. Après Airbnb est arrivé, je n'avais pas de papier toujours. J'ai vu deux, trois personnes. J'ai loué leur maison. J'ai appris moi-même à faire la peinture. J'ai appris à faire, j'ai redécoré la maison. Je louais aux gens. C'est comme ça que je me faisais de l'argent en fait. C'est ça que petit à petit, j'ai acquis le savoir du business. Parce que vous allez me voir aujourd'hui, l'entreprise que j'ai sur les réseaux sociaux, c'est une entreprise carrément. Parce que on est à Bazar Abidjan, au Gabon, on est au Cameroun dans deux villes. Et les gens parfois vont voir ça aujourd'hui, ils vont croire que je sors de. Quand j'avais 22 ans, mon ex, mon premier copain et moi, on faisait déjà les conteneurs. Donc on chargeait les conteneurs de 40 pieds. Deux jeunes, ils me dépassaient d'un an. On chargeait les conteneurs, on envoyait en Afrique. Donc moi, mon étoile, c'est quelque chose que ça a voulu briller depuis longtemps. Et à travers toutes ces époques, je me rappelle toujours que j'avais toujours un membre de la famille. Je n'ai même pas indexé la personne. Parce que si je dis la personne va se reconnaître, parce qu'elle se connaît, elle connaît. Tu sais que c'est toi. Tu sais que c'est toi. Je dis parce que tu fais dans mes directs. Bon. Tu sais que tu es ma fille, non? Tu sais que tu es ma fille, je suis ta mère, non? Non, ma mère était à morte. Arrêtez de prendre les mères des gens. Qu'est-ce que j'ai dit? Arrêtez de prendre les mères des gens. C'est que tu es ma fille, là. Faut tout me dire. Bon, voilà, maman, regarde, voilà ce que. Le mot maman, là, je le donne même plus ça aux gens. Tata, tu veux pas tata, tu laisses. Soit tu appelles maman et mets ton nom devant. Il n'y a pas maman tout court chez moi, c'est fini. Parce que ces mamans-là, elles aiment leurs enfants plus que vous. Point à la ligne. Period. Il n'y a plus rien à dire. Rien à ajouter. Ah, dis-moi ce qui se passe dans ta vie maintenant. Bon, mon copain et moi, on est en train de commencer les conteneurs. Voilà. On a déjà envoyé un conteneur. Je suis en train de charger le deuxième pour envoyer. Petite fille de 22 ans, 23 ans. Tu charges là le conteneur de 40 pieds pour envoyer au pays. Ma fille, dis-moi tout. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Il faut m'appeler, hein. On connaît les mails là, les mamanticones là. Je ne vais pas ouvrir votre SCA aujourd'hui. Je ne vais pas ouvrir votre page. Parfois, on me dit que mais tu as trop mûri vite comme ça. Pourquoi? Parce que les mères ont travaillé. Les soeurs ont travaillé. De tous les côtés. Parfois, tu dis que non, ça c'est quand même. C'est une mère, non. Elle a quoi? Ah. Tu es dans la quarantaine, je suis dans la vingtaine. Toi, tu vas me vouloir quoi aussi? Hein? Elle détestait ta mère. Tu penses qu'elle va t'aimer? Hein? Non, tu sais, mon gars et moi, on va venir se marier au pays. Deux mois plus tard, les affaires ne marchent plus. Elle t'appelle encore. Ça va. Bon, voilà, on a dû arrêter ce qu'on faisait là. Bon. Je sais même pas ce que tu vas dire. Tu es jeune, tu es naïve. Naïve, c'est gentil. Bête, tu es bête. Voilà, maintenant tu commences à errer, tu galères. Tous les mois, elle est chez le marabout, elle check ta vie. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Il faut tout me dire, ma fille. Ma fille, il faut me dire. Dis-moi tout.
fuis pas. Tu sais, moi, je ne veux pas ton mal. Ça ne veut pas me déshabiller ici, là. Hey, ça, ce sont les mots que j'ai entendus. Ça me fait froid dans le dos. Ce sont toujours les mots là-bas. Oh, Seigneur, j'ai la chair de poule. Méchanceté. Oh. J'ai un ami qui me dit un jour que il est allé chez un marabout. Et bizarrement, c'était le même marabout que la soeur de son père est partie consulter pour qu'on le bloque. Il dit qu'il est arrivé. Et il décrit. Après, le marabout lui dit que, est-ce que tu connais que telle femme qui s'appelle comme ça est venue? Il dit, oui, c'est ma tante. Il dit, oui, elle est venue, elle a donné ton nom. Que je te dis seulement comme ça pour que tu ouvres tes yeux. Elle a dit qu'il faut qu'on te bloque, que ta vie n'avance pas. La sœur de son père. Même père, même mère. Et ce père-là fait tout pour les enfants de cette sœur. École, voyage en Europe, tout. Il prend les enfants de sa sœur comme ses enfants. Et pas bloquer l'enfant de cet homme. Parce que pour vous, là, si on vous dit, vous êtes bête, votre tête est percée. Je vais vous insulter, ça ne vous plaît pas, vous quittez sur mon direct. Quittez. Allez, d'abord, on continue à vous bloquer. Je ne sais pas pourquoi je suis énervé comme ça. Aujourd'hui, ça m'énerve. Après, il fait encore notre visa. Il dit encore à la femme là. Je dis à mon ami là que tu es bête. Une femme t'a déjà prouvé au fil des années qu'elle ne veut pas ton bien. Jesus is Lord. Elle t'a seulement attaché. Oui, j'ai encore fait mon visa, ça a raté. Ah, elle m'a appelé l'autre jour, elle m'a dit que son fils lui a dit que je faisais le visa. Et elle me gronde que pourquoi elle ne lui a pas dit. Il attend le résultat du visa, on refuse le visa. Vérité, ma reine, on m'a travaillé aussi. On m'a jeté au visage. Pourquoi une femme comme toi, tu as la chance? Comme ça, mon petit 2 500 $ que je gagne. Ça les dérange parce que tu faisais le tour du monde sur les bateaux. Tu gravis les échelons. La jalousie, pour rien ils vont te jalouser. Je me réveille ce matin, le message que j'essaie d'ouvrir depuis pour vous montrer. Une dame, elle me dit, je ne sais pas pourquoi le truc ne marche pas. WhatsApp, ça devait normalement marcher. J'ai connecté pourtant ça. Je crois que vous avez donné le témoignage d'une dame qui a fait le... Elle a fait son bain de pipi l'autre jour. À 2h56, elle m'envoie un message. Elle dit qu'elle vient de faire un rêve. Écoutez bien. Vous allez demander les choses. Ils vont vous montrer un rêve. Elle dit qu'elle a fait un rêve. Dans le rêve... Elle est comme une caméra qui est en train de filmer une scène. Elle voit donc une femme qui a pris sa photo, la photo de la fille qui rêve. Elle a attaché ça quelque part. Comme sur un arbre, comme ça là. Elle prend la chèvre dans le rêve. Elle prend une chèvre. Elle coupe. Elle égorge la chèvre. Elle verse le sang de la chèvre sur la photo. Et elle jure dans le rêve là, que cette fille ne va pas avancer. Donc pendant qu'elle était de regarder dans le rêve comme ça, elle dit que moi, elle me voit. Je viens derrière et je touche son épaule. Il dit que tu vois alors pourquoi ta vie est bloquée.
Et dans le rêve, elle pleurait. Elle dit que je ne comprends pas. Que qu'est-ce que j'ai fait à cette femme pour qu'elle me déteste autant? Là, elle lui dit que ne t'inquiète pas. On va arranger ça. Une semaine plus tard, c'est-à-dire ce matin encore, je me réveille, je vois un autre message qu'elle a laissé. Elle dit, elle a fait ses prières. En faisant ses prières, elle a dit que Dieu expose tout décepticon, toute mauvaise personne qui se cache et qui est à côté d'elle. Elle fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? La veille, donc hier ou avant-hier, elle a donc un papa qui est très proche d'elle. Elle ne savait pas en fait que c'était lui qui était derrière tout ça. Il va voir son mari. Et avant qu'il ne parte parler physiquement, elle avait fait un rêve où, dans le rêve, elle voyait comment ce papa donnait la boisson à son mari, à elle. Et il disait à son mari que il faut laisser la femme là. Elle se fout de toi. Elle t'utilise. Donc en fait, ce papa dans le rêve mal parlait de la femme à son mari. Et il voulait que le mari ne fasse plus de faveur à sa femme. Elle se réveille du rêve. Elle dit, ah, c'est quel genre de rêve? Mais le papa, si je le respecte, je le... En faisant le nom et le lavage du pipi le matin, là, elle dit que toute personne soit exposée. Que lui-même, il vienne confesser. Le soir de ce jour, ce père vient s'asseoir alors vrai devant son mari. Qu'elle est trop paresseuse. Le magasin que tu l'as ouvert là, hein, elle va t'escroquer. Pourquoi? Il fallait que tu me donnes l'argent là, je ne vais pas construire, après je te rembourse. Quelqu'un que tu prends comme ton père. Il vient, il dit ça à ton propre mari. Son mari était en train de causer avec le père. Il finit, il envoie le message à sa femme. Que maman, je suis dépassée. Voilà ton père qui est en train de me dire que j'aurais que toi. Donc, il parlait tellement mal de cette femme que je n'arrive pas à croire. Pourquoi il parle comme ça de toi? Quand il est rentré à la maison, il a relaté tous les faits. La femme était dépassée. Pas dépassée, je lui dis que quand elle m'a dit ça, je lui ai dit que ma chérie, tu as prié, tu as demandé non. Et ça fait 6 mois qu'elle fait les bains, hein. C'est le 6e mois qu'elle commence à voir ces décepticons. C'est le 6e mois que les gens commencent à être exposés. Parce que vous commencez, ah, j'ai fait mon premier bang, je n'ai rien vu. J'ai fait mon premier bang, gna 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 gna. Vous voyez, je vois la paresse là. Je viens donc vous annoncer ceci. Le moment est arrivé. Parce que quand tu commences ton travail spirituel, tu es en train d'arriver dans un niveau où la force qu'ils avaient vue en toi, dont ils avaient peur, c'est en train de se réveiller. Tapez là-bas Amen. Écrivez Amen. And everybody say Amen.
Le numéro de téléphone, c'est 00237. Prenez de quoi noter. 00237 693 50 22 66. 00237 693 50 22 66. Le deuxième numéro, c'est le 00237 680 71 07 01. C'est ça. Les consultations sont payantes parce que toutes les vidéos sont en ligne. Si tu veux regarder, mets ton crédit, tu regardes seulement les vidéos. Mais si tu me contactes, tu vas me payer pour parler. Tu as compris, non? Voilà. Oui, tu peux faire le bain de pipi sans mélanger avec l'eau. Tu prends le pipi, tu mets le sel dedans, tu essuies ton corps avec. Et il y a le lien dans ma bio sur TikTok, le lien de WhatsApp. Vous êtes arrivé à un moment de votre vie où le pouvoir dont ils avaient peur, quand ils te voyaient quand tu étais jeune là, ils ont toujours su que tu serais, tu vas aller loin. Au mari, le numéro est sur la page. Le thé est efficace, oui. Le thé, il y a les thés de désenvoûtement. Il y a les bracelets. Achetez les bracelets de protection. Il y a les colliers de protection. Il y a les kits. Donc, les différents kits sont les suivants. Le kit fondation. Si tu veux, il y a les malédictions de génération. Si tu vois que ta vie ressemble à ta mère, ta grand-mère, il y a les cycles répétitifs dans vos vies. Tu es bloqué, tu as fait plusieurs mariages, ça n'a pas marché. Ça veut dire que dans ta fondation, il y a des fondations négatives qui parlent sur ton nom, sur ta vie. Donc tu prends le kit fondation pour ça. Il y a aussi le lavage à distance. Tu envoies ta photo avec ton nom. On travaille sur toi à distance. Il y a la consultation. La consultation VIP, c'est 110 euros. Il y a la consultation normale qui est 56 euros. À part le kit fondation, il y a le kit de déblocage. Le kit de déblocage. Le kit fondation, c'est 55 000 au pays. En Europe, c'est différent. Le prix est différent. Donc, si tu as quelqu'un qui part du pays pour l'Europe, on peut t'envoyer ça. En DHL aussi. DHL au Canada, États-Unis, c'est 170 dollars américains. DHL, pour que ça arrive en France, je pense que c'est 150 euros. Voilà. Il y a le kit célébrité. Les personnes. Vous avez peut-être une page sur les réseaux sociaux, vous chantez. Vous avez, même si tu es en commerce, dans le kit célébrité, c'est pour ça. Pour que ton étoile brille, que ta lumière brille. On te regarde, on t'ignore. On parle de toi. Il y a aussi le kit célébrité, c'est 55 000. Il y a le kit commerce. C'est pour les gens qui ont une activité. Quand tu achètes le kit, tu vas nous contacter, on te donne la vidéo. La vidéo est sur YouTube. Comment utiliser le kit? Le kit commerce, c'est pour les gens qui ont des activités. Ou bien si tu veux lancer un business. Le kit commerce au Cameroun, c'est 65 000 francs. Dans les autres pays, les prix sont différents parce qu'à cause des frais d'envoi. Donc nous sommes à Abidjan. On poste aussi au Burkina Faso, on poste au Bénin, on poste au Togo. Toute l'Afrique de l'Ouest là. Comme on est en Côte d'Ivoire maintenant, on couvre l'Afrique de l'Ouest. Afrique centrale aussi. Au Gabon. Je suis à Libreville actuellement. Bon, le kit sorcellerie, ça c'est sur commande.
C'est le kit de déblocage que les gens préfèrent maintenant. Le kit de déblocage, c'est 55 000. Il y a le kit attraction. Kit attraction pour les gens dont... Je pense que tout le monde devrait avoir le kit attraction. Parce que même si tu es déjà marié, le kit attraction t'aide à restaurer ta beauté. Juste restaurer... Il y a des gens, souvent, tu arrives quelque part, on ne te voit pas. Ou bien on te... C'est comme si tu as un esprit sur toi qui fait que les gens ne te regardent même pas. Voilà. Il y a aussi le donne-moi tout. La petite, c'est un petit flacon comme ça. Tu mets dans ton porte-monnaie, tu peux mettre dans ton... Pardon, dans ton sac à main. Tu mets une goutte sur la langue, tu mets sur les mains, tu mets sur le cou, tu parles. Ça restaure le commandement. Vous connaissez même. On a mangé les patates ensemble. Hey, Jocelyne, vous êtes un peu fou ici là. Hein? Vous pensez que comme vous voyez sur TikTok ici là, je suis votre ami. Je n'ai pas besoin de vous. Hein? Les gens que vous arrivez ici là, vous pensez que si un brin de folie passe dans votre esprit, il faut exorciser la pensée là. Je vous dis. Oui, le numéro de Libreville, c'est le 074 18 080 074 18 080. Voilà. Tu écris, je suis pas obligé de te répondre, hein. Tu n'es pas obligé d'être à mon direct. C'est la beauté du téléphone, la beauté de TikTok, la beauté de Facebook. Je ne suis pas obligé. Ok? Simple. Voilà. Bon, la pub est finie, non? Quand vous allez commencer votre travail spirituel, vous allez arriver à un niveau. Au Cameroun, nous sommes à Douala et à Yaoundé. On fait les lavages sur place, lavage à distance. Consultation sur place, consultation à distance. Pour la Côte d'Ivoire et tous les autres pays, écrivez au 00 237 680 71 0701. Donc 00 237 680 71 07 01. Le Podine, tu viens d'avoir ta consultation. Super. Le numéro du Gabon, c'est le 0741 ou bien 074 18 080. 18 0080. Mettez 2 fois 0. 18 0080. Pour le Gabon, ajoutez un autre 0. Donc 0741 80 080, ou bien 074 18 0080. Ajoutez un autre 0 entre les deux. Voilà. Bon, je continue l'enseignement que je suis en train de donner. Avant, vous vous plaignez que vous n'aviez personne, mais malheureusement vous cherchez quelqu'un. Je viens vous dire que vous n'avez pas besoin de quelqu'un. Vous me suivez? Vous allez commencer à vivre seul. Vous allez devenir ermite. Si ton nom c'est ermite, c'est super. Ok? Tu vas vivre le genre que tu vas rester seul. Tu as besoin de quelque chose, tu demandes. Tu te couches la nuit, on te dit. Ça demande de la discipline. On consulte les gens en Europe. Je travaille sur les gens en France, je travaille sur les gens aux États-Unis, je travaille sur les gens au Canada. Si on peut te bloquer à distance, on peut te débloquer à distance. Moi, il dit toujours ça. Quand on te bloque, est-ce que la personne t'a invité que tu viens pour la cérémonie de blocage? Il t'a pas invité, non? N'est-ce pas? Parfois, il avait seulement ta photo, parfois, il avait seulement ton nom. Il est parti te bloquer. Pourquoi tu penses que tu peux pas te débloquer à distance? Réfléchissez. Voilà. Non, n'appelez pas. Pour le Gabon, n'appelez pas maintenant.
la maturité, l'étape dans laquelle vous êtes en train d'entrer maintenant, si effectivement depuis 6 mois, depuis 1 an, tu fais tes bains, je vous dis toujours les bains, vous simplifiez les bains. Vous aimez qu'on vous dise que non, apporte 4 millions. Vous faites ton travail, apporte-moi 4 millions. Ne vous inquiétez pas, je vais mettre les services de 4 millions. C'est là que vous allez venir, vous allez comprendre alors. Et pour te sortir du trou, tu as besoin d'argent. C'est que vous allez souvent venir commencer à dire, je fais déjà l'aumône assez, je vous mets des vidéos ici. Regardez mes vidéos, faites ce que j'ai dit dans les vidéos. Maintenant, si tu m'approches, ne crois pas que tu vas venir prendre mon temps pour te parler, tu ne vas pas me payer. Oublie. Et vous dis-moi cash. Donc, le niveau spirituel où vous êtes en train d'arriver. On t'a bloqué. Tu as été victime de beaucoup de jalousie. Parfois, tu ne comprends même pas. Au niveau où tu en es, on t'a tellement dessus que tu n'as même plus d'amis. Tu n'as plus d'amis. Tu finis, tu rentres, tu dors. Ton téléphone peut rester comme ça. Là. Tu regardes mes directs, tu n'appelles pas toi. Tu n'es pas toi sur ça. Parce que tu as tellement montré les faces. Tous ceux qui sont autour de toi t'ont trahi. Le temps maintenant pour toi d'ouvrir. Donc, les sorciers à travers le monde sont en train de se réveiller. On va dire ça comme ça. Vous avez suivi, non? Ta sorcellerie là, comment on se moquait? Tu étais petit, tu voyais souvent les choses dans les rêves, tu te réveillais, tu disais. C'est comme ça qu'ils ont su que tu avais les pouvoirs. C'est comme ça qu'ils ont su. 7 ans, 8 ans, tu dis, maman, j'ai vu telle personne qui était morte. Une semaine après, la femme la meurt. Tu arrives à la fête comme ça, tu danses. On donne 500 aux autres, toi on te donne que 10 000. C'est comme ça que ta part a commencé. On t'avait bloqué. Tu as échoué ton premier mariage, après tu as maintenant 50 ans, tu ne veux plus toi. Non. J'ai parlé avec une femme comme ça un jour, je me rappelle encore. Elle n'a pas d'enfant, 53 ans, elle n'a pas d'enfant. Elle a fait son premier mariage, ça n'a pas marché, c'est bon. Maintenant, elle est là, elle fait boulot maison. Oh, les Gabonais, attendez avant d'appeler. Tu achètes le thé chez la représentante, pourquoi tu ne lui demandes pas comment utiliser? Tu lui demandes pas, tu viens me demander au direct. Est-ce que c'est normal? Quand tu prends le thé, demande-lui comment je peux utiliser. Ok? Joseph a dû faire 13 ans, plus ou moins 13 ans, avant de monter. Et je suis sûr que quand il était en prison, il avait des raisons d'avoir oublié ce qu'on avait prophétisé sur lui. Et quand l'heure est arrivée, il y a une partie du. Il y a le psaume 105. Jumo Franck, bonjour. J'ai vu ton message. Psaume 105, versets 18, 19 et 20. La Bible dit quand l'heure fut arrivée, quand le temps arriva. Quand vous écoutez le message, si je vous dis que votre temps c'est maintenant, quand vous écoutez ça, ça active votre temps. La Bible dit que Dieu a envoyé, on a ouvert ses chaînes, que les chaînes qui étaient sur ses pieds là. Parce que quand vous lisez l'histoire de Joseph, à un moment même, Joseph a vu un monsieur, quand il a prophétisé sur les deux, il dit que quand tu vas, on va te restaurer au palais, ne m'oublie pas. Hein.
Peut-être les frères de Joseph avaient même pratiqué sur Joseph pour que sa vie n'avance pas. C'est même une idée qui me vient maintenant. Je suis que les frères de Joseph avaient pratiqué sur lui. Oui, oui. La méchanceté, c'est depuis la fin, le début des temps. Bon, je vais faire une pause, je vais encore donner le numéro. Quand il m'arrête pour donner le numéro à chaque fois, ça me distrait un peu. Si vous regardez en haut de, sur Facebook, en haut du direct, il y a les numéros. Pour le Gabon, 07 41 80 0 80. 07 41 80 0 80. Et vous appelez après le direct. Pour les autres, peu importe le pays, prenez ce numéro, vous m'écoutez. 00 237 680 71 07 01. Quand il parle, vous allez là, vous ne notez pas. Après, vous allez venir me déranger. Quelqu'un de sensé, quelqu'un de normal, quand il dit que je vais donner un numéro, je vais donner un numéro, cherche là le big, tu veux, tu prends pour noter. Donc, c'est la dernière fois que je donne le numéro. 00 237 680 71 07 01. Ou bien tu retiens dans ta tête, non? Tu es bête que comment? Le deuxième numéro, c'est en haut de la page de TikTok. Vous parlez dans le lien, la bio. Vous allez voir le numéro là-bas. Voilà. Ce message doit passer. Vous devez écouter ce message. Votre saison est là. Et cette saison se manifeste. Joseph a pris 13 ans. Peut-être pour toi, ça. Vous allez bien voir qu'à chaque fois dans la Bible qu'il y avait des blocages, il y avait toujours un temps pour la libération. Quand le Seigneur a prophétisé à Abraham que sa descendance sera prisonnière, c'était environ 400 ans, même s'ils ont fait encore 30 ans de plus. Mais quand le temps est arrivé, Moïse est arrivé, tac, tac, il a fait les trucs sont verts. Vous devez croire qu'il y a la saison pour que vos problèmes aient. Donc, je sais que vous avez tellement souffert que vous dites aussi que, ah, peut-être moi je vais mourir avec les problèmes sur la pardon. Ils sont aussi comme ça. Ta saison là, c'est maintenant. Quand tu vas prendre ton pipi là ce matin pour te laver avec, tu parles. Appelle tes ancêtres. Comme ta mère est partie depuis 10 ans, depuis 15 ans là, tu croyais que tu étais seule. Dis maman Aurélie, où que tu sois. Sors, go Kéo. Go Kéo. Sors. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas ma langue, ça c'est le nom de ma mère que j'ai dit. J'ai dit que où que tu sois, viens m'aider, je t'appelle. Demandez l'aide de la Vierge Marie. J'ai demandé l'aide de vos archanges. Vous avez des anges. Vous avez des anges avec vous. Ouvrez la bouche, demandez, appelez-les. Que la grand-mère de la grand-mère de ma mère. Je ne t'ai pas connue, mais je sais que tu es là. Vous voyez, il y a les salles de crâne au village parfois. Je suis allée là-bas l'autre jour. Ma tante me dit que ça, c'est la tante de notre arrière-grand-mère. J'ai dit que, hein? J'ai dit que oui, voilà, maman tombe là-bas. Oui, elle s'appelait un tonchi. J'ai dit, hein? Elle dit, oui, c'est la tante de. Tu vois, notre arrière-grand-mère là, non? Oui, c'est sa tante. J'ai dit, J'ai compris. Je ne comprenais pas. Mais je me suis dit, parce que c'est les choses qu'on a oubliées. Des choses qu'on a oubliées. Tu es là, tu souffres. Tu es en Europe là-bas, tu es en Turquie, tu souffres. Tu penses que tu es seul. Ta bouche là doit s'ouvrir maintenant, tu parles. Je vous parle souvent des. Ah, Nignon, hein. Ah, Nignon.
Tu passes devant les libations. Tu prends une bouteille de vin ou de whisky. Tu pars, tu verses au sol, tu parles. Parce que vous-même là, vous avez trop abandonné vos ancêtres. Tu verses, ce n'est pas parce que ce n'est pas ta terre qu'ils ne vont pas t'entendre. Quand ils meurent tous, ils sont tous dans un même endroit. Ancêtres, point bas. Tous les ancêtres de la Libye, de la Turquie, du Maroc, ils sont tous dans le milieu des ancêtres. Maintenant, quand tu appelles ta part, il va dire, ah tiens, c'est ma petite-fille là-bas. C'est la fille de ma la petite-fille de ma petite-fille, de mon arrière-petite-fille, je ne sais pas trop quoi. Si tu peux remonter, tu appelles Jésus. Pourquoi tu oublies tout le... Tu laisses tout ce qui était avant Jésus là. Après Jésus, pardon. Verse au sol, tu parles. Tu dis que si ce que la femme s'est en train de dire aujourd'hui là, c'est ça vraiment. Et que vous êtes en train de me demander de vous appeler à nouveau. Donnez-moi un signe. Et moi, je fonctionne par la foi. Je ne demande, je cherche même pas les signes. Moi, je fonctionne par la foi. La foi, c'est la ferme assurance. La ferme assurance que je ne connais pas, mais je sais que je sais. Whitney, tu dis que, oh, mais écoute, que je, tu as, depuis que tu me suis, tu as vu. C'est bien. Vous devez être activé. On vous a trop escroqué. Vous avez trop perdu. Vous avez trop. Tu es là-bas depuis 5 ans. Tu cherches à traverser. Chaque fois, on prend ton argent, on mange. Jessica, va sur la page où tu cherches le bain de pipi. Faut arrêter. Ne venez pas dans mon direct demander. Tu es sur TikTok. Va sur mon TikTok. Sors du direct. Si tu pars dans ma page, tu regardes. Arrêtez avec la paresse. Paresseux que vous êtes là. Vous aimez suivre la masse. Quand vous venez, vous voyez les gens m'insultent, vous insultez aussi. Vous rentrez dedans, vous m'insultez. Vous m'insultez. Alors que je suis en train de dire quelque chose que ça peut t'aider. Aïe, aïe, aïe. Attendez, je gratte un peu mon sein démange. Aïe, excusez-moi. Souvent, reste comme ça. Moi-même, je m'amuse. Je me fouille moi-même. Oh, Seigneur. Ah, oh, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Il y a les gens qui vous ont tellement sous-estimé, qui vous ont mis dans le trou. Quand le temps arrive, des choses commencent à... Tu vas commencer à voir les visages des gens dans le rêve. Tu vas voir les visages des gens. Seigneur, montre-moi comment ta soeur, tu vois, maintenant le rêve, elle parle mal de toi, elle montre les gens contre toi. Quand tu vas te réveiller, ferme ta bouche. Comprends ce que tu dois comprendre. Quand elle va t'appeler encore à 9h là, comment tu vas? Ça va? Rappelle-toi qu'on m'a montré quelque chose dans la nuit sur la femme signe. Vous allez voir comment... Selon la direction de l'esprit, tapez encore, faites même 3 jours de jeûne. Aujourd'hui, cherche la bouteille de vin que j'ai dit là, tu verses ça à tête, tu parles. Tu es dans un pays depuis là, tu n'arrives pas à partir. Demande l'aide d'abord des ancêtres du pays où tu te trouves. Tu appelles sur les noms de tes ancêtres. Oui. Que les gens qui m'ont baissé quand j'étais petite, les gens qui ont enterré mon nombril, ils ont parlé sur moi. Les gens qui ont enterré le nombril de ma mère. C'est le nombril de ta mère. Tu viens du nombril de ta mère. Les gens qui ont fait les lieux sacrés dans mon village. Votre enfant souffre. C'est vrai que je suis pas au pays, mais je souffre.
tu tapes tes 3 jours de jeûne, tu fais ton bain, tu mets le sel dedans, tu mets le pipi dedans. Tu verses tout le vin, non? Tu veux garder le truc pour faire quoi avec? Tu vas aller te soulever avec le vin. Donne le vin aux ancêtres. Oh, Nama. Fichiche. Eh? Oh, Nama. Quand tu donnes aux ancêtres, il faut pas avoir la main chiche. Faut pas avoir la main chiche. Tu verses. Combien d'hommes t'ont dragué, tu as porté ton argent, tu es parti leur donner, après ils t'ont fui. Bébé, je t'aime. Tes 3 millions que tu avais économisé là, tu portes, tu peux lui donner. 2 mois plus tard, je te rends compte qu'il te trompait. Le numéro du Gabon, c'est le 07 41 80 080. Voilà. Je vous donne plus les numéros. Laissez. Cherchez. Sur la page TikTok, il y a les numéros. Sur la page Facebook, il y a les numéros. Ouais, vous allez chercher maintenant l'heure. Va verser à n'importe quelle heure. Faites d'abord. Ouais. Arrêtez de compliquer les choses. Mettez la foi dans vos choses aussi, non. Un jour, j'ai fait le direct comme ça. Une femme m'a écouté. Elle est partie faire son bain à 14h. Je faisais le direct. J'ai fini à 14h. Elle est partie faire à 14h. À 16h, on l'a appelée pour le boulot. Elle est partie faire le boulot le lendemain. Arrêtez de compliquer les choses. Va d'abord faire quand même. Tes enfants sont bloqués au pays depuis. Tu as fait toutes les qualités d'application. Le dossier est calé à l'ambassade depuis. Le monsieur change, on dirait le billet de 10 000. Hein. Vous m'amusez. Et parler avec la foi. Parfois, vous n'avez pas appris à ouvrir votre cœur. Vous parlez à vos ancêtres. On s'est trop moqué de moi. Je veux l'enfant. Regardez-moi, j'ai l'argent. J'ai le mariage. Je veux accoucher. Je veux accoucher. Oui, achetez la brique de vin aussi, ça marche. Quand il dit bouteille de vin, tu dis brique de vin. Le vin, c'est le vin, non? Ouais, Seigneur. Donc, tu crois que les ancêtres ont venu dire que comme ce n'est pas sorti de la bouteille, ils ne vont pas prendre. Vous exagérez aussi. Ah. Ouvre ton cœur. Ça fait 10 ans que j'ai envoyé mes papiers. Je n'ai pas de papier depuis 10 ans. Allez voir les choses comment ils vont vous révéler dans le rêve. Oh Seigneur, vous allez dire oh là là. Et quand vous demandez les choses, on vous montre dans le rêve, il faut croire. On te révèle ce que quelqu'un fait. Il y a des gens de votre famille qui sont dans les sectes bizarres. Ils ont donné votre nom là-bas 3 fois, on n'a pas pu vous prendre. On te montre dans le rêve comment la personne en train de faire des mauvais trucs. Tu prends le téléphone. Hey, tata, tata, j'ai rêvé que tu étais en train de... Hein? On t'a montré pour que tu connaisses. Tu comprends, non? Tu vas lui dire, ça va commencer à dire que tu me vois mal, quoi donc. Diamant noir, vous m'appelez, je ne décroche pas, c'est décourageant. Oh là là, désolé. Vous avez suivi. Mon but, c'est pas de vous décourager. Appelez encore. Vous avez suivi.
Il y a plusieurs numéros sur cette page. Parfois, vos énergies aussi ne sont pas bonnes. Je suis désolée. Parfois, en attendant qu'on vous parle, commence ton bain de pipi. Commence ton bain de sel. Lave-toi, lave la malchance sur toi. Lave les mauvaises énergies sur toi. Fidèle Selena, tu écris la même chose depuis 15 fois. Je vais te bloquer. Tu as compris, ma chérie? Et ces sorciers seront prêts à vous traiter de... Ils vont vous faire croire que c'est vous qui déconnez. Ils vont vous faire croire que c'est vous qui déconnez. Alors que eux-mêmes dans leur cœur, ils savent que ce que toi tu as vu là, ce qu'on t'a montré le rêve, c'est vrai. C'est comme une femme qui découvre, qui rêve que son mari la trompe. Bébé, j'ai déjà rêvé que tu me trompes. Ma chérie, tu penses sérieusement qu'il va s'agenouiller pour te dire, ouais, pardonne-moi. Pardonne-moi, ma chérie, tu as raison, je te trompe. Ça fait 5 ans. Elle s'appelle Mélissa. Elle vit à Angré. Ou bien elle vit à Missoké. Jamais. Huguette Malambo, si tu m'écoutes, tu ne vois pas dans quoi je fais. Ce que ce n'est pas ma part. Tu n'es pas, ma part. Ah, ceux qui viennent d'arriver dans le direct et qui posent les questions, Seigneur, ça fait. Allez regarder mes autres vidéos, pardon. Tu attendais que quelqu'un vienne te sauver, non? Toi-même, tu vas te sauver. Toi-même. Et ce qui est bien, c'est que quand tu fais, tu sais que tu peux compter sur toi-même maintenant. Comme ça, une situation est difficile. Tu ne coupes plus pour aller raconter que j'ai tel problème, j'ai tel. Il me faut 2 jours de jeûne pour ça. Il me faut ajouter dans mes bains. J'ajoute encore 2, 3 trucs. Je lève un peu le niveau. Oui. Tu restes comme ça là, tu pries, tu parles. Ils te font dire, tu ne sors pas. Hein? Non, 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 non. Tous les mercredis, je reste à la maison. Je dois méditer. Je dois méditer. Tu prends un kit. Kit fondation, kit n'importe quoi, kit déblocage. Tu achètes ça, tu te mets à la maison. Tu dois voir le visage de tous mes ennemis. Tu commences. Ah, les souris ont cessé de se balader dans ton plafond. Hein. Et voilà une autre personne qui dit qu'elle a commencé les bains, on lui a donné 1 million. Une connaissance lui a donné 1 million. Là, c'est super.
Tu restes comme ça là, tu. Avant, tu faisais des trucs sur impulsion. On te provoquait, tu faisais. Maintenant, tu restes comme ça, tu dis. On ne part pas là-bas. Mais chérie, on a déjà prévu depuis 6 mois. Non, on ne part pas. 2 semaines après que tu refuses de partir là-bas, on vous dit que si vous étiez parti là-bas, vous auriez perdu 5 millions. Tu commences à sentir les choses en avance. Tu ne vois plus les choses comme les problèmes. C'est un problème dans ta vie, ça veut dire que c'est un appel pour que tu t'élèves. Ça t'appelle pour que tu partes dans la place de ta, dans ton laboratoire. Tu prends le don, tu mets sur ta bouche. Tu prends le don, tu mets sur ta bouche. Shakarababa, shikataraba. L'eau bénie là, tu verses. Tu parles. Ils vont être exposés un à un. Un à un. Certains vont même plus t'appeler. Les gens qui étaient chez toi tous les jours, ils vont te fuir. Certaines personnes vont venir même trébucher avec la bouche devant toi. Ils vont te dire ce que. Ah, tu crois même que quoi? Depuis que tu as commencé à voyager, tu es dans les avions, là, tu crois que tu es arrivé. Hein? Hein? Non, non, ils ne blaguent pas, c'est ce qu'ils pensent. C'est ce que la personne là pense. Ils vont venir te dire les choses. Tu vois, là, tu vas venir dans le rêve comme ça, te dire, ah vraiment, je m'excuse. J'ai toujours comploté contre toi. Ça fait 7 ans, ça fait ceci. Tu te réveilles le matin et avales la pilule, tu bois l'eau, ça descend. Tu dis seulement que, ok, j'ai compris. Depuis que tu t'es marié, là, tu crois que tu es arrivé. Hein? Hein? Vous allez maintenant faire vos choses. Tu te maries, même tu n'invites pas les gens. Il y a des gens qu'on empoisonne la nourriture, on va te donner sur la table de mariage. Tu manges, tu meurs devant les gens. Tu vois, ça fait 6 mois avant qu'on s'aime que tu es parti. Elle est au quartier ici là, non? Même les statues là, ils n'ont rien vu sur les statues. Ma chérie, tu es devenue discrète. Tes vraies choses là, tu ne montres plus à quelqu'un. Tes vraies choses. Comme ça. Si tu dis que tu es un truc de bien que tu es arrivé et que quelqu'un ne t'aime pas, il sera content comment? Ah, c'était même qu'il a eu un jour. Comme on dit souvent, les gens sont jaloux bêtement pour rien. Il y a une maman ici au quartier, elle vend la nourriture. Chaque jour, souvent j'arrive, je la vois. J'aime pas souvent porter ma bague. Par exemple, là, regardez, j'ai pas porté. Donc, chaque jour, je passe devant elle. Ouais, bonjour, amen. J'achète mes choses, je rentre chez moi. J'achète mes choses, je rentre chez moi. Un jour, il savait que mon mari était au pays. Je l'appelle. On passait juste elle. Bon. Bonjour la mère, je vais te présenter mon mari. Alors voici. Je t'assure, je ne connais pas la mère là particulièrement. Là. Comment la femme là m'a mal regardé? J'étais choquée. C'était genre, ah ma fille, dès que je disais. Et c'est une mère, ce genre de mère qui a peut-être 55 ans comme ça là. C'est même pas comme si c'est. Après, mon mari demande que. Mais, il demande que. Tu as un problème avec la femme là? Je dis que non. C'est même mère. C'est même mère. Donc, si c'est quelqu'un qui ne te connaît pas, il agit comme ça. Imagine. Non, et vous dites-moi les choses. Imagine alors ta cousine. Je m'appelle une de mes connaissances, pour ne pas dire soeur ou cousine ou bien frère ou bien je ne sais pas, que la personne ne se reconnaisse pas. Quand elle veut faire mon premier mariage,
Ça l'avait tellement énervé. Je dis que, mais tu as 9 ans de moins que moi. Et je suis mariée à 30 ans. Tu viens pour me marier. Ça te dérange. Mon ex-mari me disait toujours, fais attention à celle-là. Parce qu'elle faisait les appels de balle. Parce que moi, vous savez, je ne suis pas quelqu'un de provocatif. Je ne suis pas le genre de fille qui veut porter le décolleté. Je vais soulever mes seins comme ça, là. Faire des trucs. Je n'ai pas le temps pour ça. Du coup, je sais que cette personne de ma famille, c'est quelqu'un qui est très... J'ai l'impression qu'elle aime que tout lui appartienne. Elle aime savoir que tout pour elle. Donc, que tout, c'est pour elle. Si on arrive quelque part, il faut qu'on la regarde. C'est comme ça. Il dit que fais attention à celle-là. Je ne sais pas, c'est qu'il faut faire attention. Quand le vrai envoûtement a commencé, est-ce que... Je prends le téléphone souvent, ça, je me rends compte. J'ai même le téléphone de mon gars en main. Ça sonne, c'est elle. Quand on a rendez-vous quelque part, nous trois, pourquoi tu ne m'appelles pas pour savoir à quelle heure on arrive? Pourquoi c'est mon gars que tu appelles? Non, tu sais, j'ai fait l'erreur quand il composait. Je voulais appeler ton numéro. Il dit, pourquoi tu n'as pas appelé mon numéro? Comme je voulais, oui, rien. Un jour, elle me dit carrément, pourquoi c'est toi qui t'es marié avant moi? Non, c'est pas juste. Je dis, hein? Ah, les enfants d'aujourd'hui. Tu as 22 ans, ma chérie. Ton problème, c'est quoi? Imagine alors que si la personne se comporte comme ça, ça veut dire qu'elle va aller voir sa mère, sa tante. Oh maman, pourquoi elle se marie avant moi? Pourquoi? Imagine alors le cœur de la mère. C'est même vrai. Monsieur le marabout, est-ce qu'il y a moyen qu'on fasse que... Écoutez bien. Il y a certaines choses souvent que... Si vous savez lire les signes, les petits signes, vous allez voir que les gens là vous ont jalousé depuis longtemps. C'est vous qui étiez toujours gentil avec eux. Vous avez toujours, non, ma, elle ne peut pas me faire ça. Je la prends comme ma soeur. Hein? Elle se demande toujours pourquoi ton mari t'aime. Qu'est-ce que l'homme la voit même derrière elle? Si un jour ton gars te dit que fais attention à la fille, ma chérie, ne bloque là. Même si c'est ta propre jumelle. Seigneur. C'est ton propre gars qui te dit que il faut comme il a dit là. Il faut Parce que j'ai l'impression que quand tu n'es pas là, elle change sûrement. Elle passe de bonne soeur d'église à pute. Voilà. Je sais pas si ça c'est ça. Même si on ne dit pas ça sur les réseaux, je m'en fous. Elle devient une prostituée. Ouais. Elle quitte de quelqu'un qui parle bien de toi à quelqu'un qui commence à dire, ah, pourquoi tu veux rester même avec elle? Elle va t'apporter quoi? Elle va te donner quoi? Et ça, c'est des choses que vous ne croyez pas souvent. Hein? Cette même personne, pendant que je faisais, j'étais en train de m'apprêter. J'étais dans le salon, on me coiffait. Et on tente de me maquiller pour le mariage. N'est pas mon mari, il était en train de faire son direct sur sa page. Je regardais le direct comme ça là. J'étais connecté au direct, je regardais comme ça. Donc, on était dans la concession familiale. Lui, il était assis dehors avec les invités. Moi, j'étais dans la chambre. Après, je vois la personne commence à danser. Elle passe dans son direct. Vous savez pas qu'elle était là. Elle passe dans le direct. Elle passe. Elle avait mis un décolleté terrible. Tu vois comment la personne vient sur lui. Elle fait comme si elle dansait un peu. Oh mon beau frère, mon beau. Le beau des beaux. Vous savez, j'aime souvent rire de mes choses. Parce que c'est ce qui m'a fait comme je suis là. C'est ça qui a fait que je sois la personne aussi. Et le beau des beaux. Elle fait même pas sa poitrine sur sa tête comme ça là. Elle fait un peu comme ça. Je vois. Oh, le jour du mariage, je suis choquée. Et tu vois, il est un peu gêné, genre, je sais pas, c'est comme ça, bon, ça lui pèse aussi, tu vois. Tu vois, quand on voit les seins d'une fille sur ton visage, ça te plaît pas. Parce que moi, je ne justifie personne.
Elle faisait guetter un peu le direct. Elle fait genre, elle se baisse un peu. Elle se baisse comme ça, on voit ses seins dans le direct. Je vois, je fais, oh, c'est bien. Je commente, je dis, c'est bien. Dès qu'elle voit mon truc, eh? Elle a, je t'assure, c'est comme ça, elle a vu un démon dans l'écran. Hop, elle est partie. Et que je vous guette, je vous vois. Seigneur. Et après ça, on a eu beaucoup de problèmes à cause de la personne. Beaucoup. Beaucoup de problèmes. Chaque fois qu'on prononçait le nom là dans la maison, on avait les problèmes. Chaque fois. Vous allez voir qu'il y a des gens qui vont souvent voir votre bonheur. Et si vous regardez bien, votre étoile, ça c'est comme ça. Je ne sais pas comment on peut dire. Regardez bien. Parfois, on peut dire que dans ta jeunesse, tu attirais toujours les hommes qui avaient les grosses voitures, les hommes riches. Les hommes riches. Tu attires un homme riche, 18 ans, il veut t'épouser. Ta tante dit, ah, tu es trop jeune. Non, 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 il ne faut pas. Non, tu es trop jeune. Tu es trop jeune. 22 ans, un autre homme riche, un ministre vient te pivoter. Te... Il dit, ah, non, non, non. Tu arrives au moment en France, 28 ans, un autre encore. Riche, beau, j'atteins mais tu sais là. Il... Mais à chaque fois, c'est toutes les mêmes personnes qui viennent bloquer tes mariages. Hein? Tes yeux commencent à s'ouvrir. Même si tu as 45 ans, ma chérie, ne te dérange pas. Ton homme à la Prado, là, ton ministre là, arrive encore. Parce que c'est dans ton énergie. Ma chérie. On monte, on descend. Ma chérie. Papa, tu restes. Analyse un peu, regarde un peu le genre de personnes que tu attires souvent. Même si ça n'aboutit pas ou ça n'a pas abouti à l'époque. Regarde bien. Peut-être que tu es au pays, tu as toujours les benguistes. Tu sais, c'est toujours les benguistes qui tombent sur toi. Toujours. C'est toujours les benguistes qui te draguent. Tu es peut-être chez ta cousine un jour comme ça en passant. Ah, mon cousin vient d'Italie. Il arrive, il tombe, il flash sur toi. On gâte l'union là. 6 mois après. Oh, voilà mon frère qui vient des États-Unis, il cherche même une femme. Hein. Dès qu'il te voit, comme ça. Ma chérie, c'est dans ton énergie. Maintenant, quand tu comprends et que tu deviens sage, sache que même si tu as perdu l'autre là, ça fait 2 mois, ça fait 6 mois. Ma chérie, même si tu as 50 ans. C'est pour ça que souvent tu vois certaines femmes, elle te dit qu'elle a 50 ans, tu n'arrives pas à croire. Elle est belle, jeune. Je vous le dis parce que avant vous laissiez votre chance partir. Quand tu vas. Donc, maintenant quand je parle, tu te rends compte que mais j'attire toujours ce genre de personnes. Mais les opportunités de business, il y a certaines personnes qui ont toujours. Donc, il reste comme ça, il y a un nouveau contrat. On m'a dit, voilà, on cherche un représentant au Cameroun pour vendre les telles marques de perruques. Ça tombe sur toi. Quand ta cousine vient et vole le business. Pardon. Tu lui laisses ça. Ça t'énerve beaucoup. Tu digères, tu avales, tu passes. Tu avances. 6 mois plus tard, 1 an plus tard, tu as encore une autre opportunité. Voilà, on veut construire les maisons dans votre quartier. C'est un projet de 1 milliard. On choisit qui? Toi encore. Maintenant, tu vas comprendre que c'est dans ton... Donc, comment dire que la... Donc, oh Seigneur, chacun a sa chance là. C'est dans ta chance. Quand tu en es consciente, le tout-ci, tu vas voir que tes erreurs avancent et que tu partages, tu les avais à tout le monde. Dès que tu rencontrais le gars là, tu étais, ah, tes cousines, toutes tes cousines devaient savoir. Le tout si c'est fini. Bonjour la reine Rolande. Le tout si c'est fini. La reine Rolande, tu as préparé quoi chez toi? Je vais venir manger. Excusez-moi, je cherche la nourriture. Reine Rolande. On est que, qu'on s'en va. Et, du coup, Odia. Il était vu, je m'ai oublié. Je crois que je suis là, dis-moi. Tiens, vous pourrez quoi vous dire?
Il a 11 ans, il faut que je me cherche. Oh yeah. C'est que la reine Rolande, je suis à Libreville. Ça fait, je suis rentrée hier matin. La reine Rolande, elle a toujours les cancans nourriture chez elle. Et sa nourriture est toujours plus bonne. Donc, quand tu manges à sa maison, ça a le goût. Je sais pas pourquoi. Vraiment. Continuons notre toli. Ok. Quand tu comprends que c'est ça ta chance, tu vas premièrement, tu vas vite pardonner à ceux qui ont essayé de voler ta chance. Parce qu'il y a les gens que, même si tu leur donnes tout, ils vont prendre, ils vont bousiller parce qu'ils ont un mauvais cœur. Leur cœur est noir. Ça ne peut pas attirer. Toi, ton cœur est pur, ton étoile brille. Je sais pas comment dire ça. Tu restes comme ça, on te donne une affaire de 15 millions. Alors que tu partais seulement faire ton shopping en ville. Hein. Tu es tombé sur le gars, il te dit non, j'ai un petit conteneur qui arrive là. Comme ça là. Hein? Anne-Laure, tu veux venir chez moi, tu as la nourriture. Je veux le coquille. Anne-Laure. Vous venez me voir sans nourriture. Les gens de Libreville, c'est à vous les chiches. Vous les chiches. Ok, continue mon toli. Vous savez, parfois vous restez comme ça, là vous avez l'amertume dans le cœur parce que telle personne a gâté ton mariage en 2015, telle personne a pris ton business. Et parfois quand tu parles, tu dis j'avais avant. Ma chérie, ce n'est parti nulle part. Le dollar, d'accord. Je vais venir. Ne venez pas faire un doc chez Roland. Vous là, je vois déjà Pascal qui dit qu'elle veut venir. Je veux manger le dollar avec le couscous. Je veux pas le planter mûr. Je veux pas le manioc. Je veux le couscous. Je veux venir manger ça avec le couscous. Ne lave pas trop. Il faut que ce soit un peu amer quand même. Un peu quand même. Tu vois un peu. Bon sort. Tu as pas. Parfois c'est ton mari, c'est vrai. Oui, mais parfois c'est ton mari et ça fait mal. Parfois c'est ton mari, ça fait mal. Même si ton mari a pris 5 fois ton énergie, c'est encore dans toi. Tu es le fou qui produit la chose. Tu es la poule qui pond le f... Voilà. Je crois que c'est la poule qui est mieux. Tu as compris ça? Véronique, vous venez de faire le docker. Je gifle le docker. Je vous gifle. Comme ma fait-on. Tu gifles comme ça. Mon Facebook, c'est The Gift Digger Academy. Mon toli me plaît, ne venez pas me distraire. Ouais, je sais pas comment. Écrivez ici la Degudig Academy, comme ça la fille là nous laisse. Elle demande depuis. Le fait déjà que tu crois que c'est possible, ça va commencer à arranger les choses. Parce que depuis, comme tu croyais que c'était pas possible, c'est ça qui gâtait tes choses. Tu comprends? Tu vois, tu restes, tu commences à faire. On a tout volé toutes mes chances, je ne peux même plus rien faire. Hey, si la fille là ne volait pas ça, si la fille là ne me gâtait pas mon mari. Le fait que tu penses comme ça gâte derrière tes choses. Donc même si Dieu voulait envoyer encore, et Dieu est censé être en train de t'envoyer. Voilà, elle a mis le nom sur The Gift Digger Academy. Il faut bien regarder. Maintenant, quand tu m'écoutes ce matin, tu dis, ah, donc, avec mes 45 ans, si là, je peux encore. J'ai eu 3 enfants. Hein. Tu touches un peu les bourrelets. Touchez un peu les. Vous voyez les bourrelets qu'il y a sur votre ventre là. Hein? Ouais. Même comme ça. Ton milliardaire là va te chercher, ma chérie. Il t'assure. Il y a souvent les genres de femmes que tu vois, le genre. Tu la vois, tu vois l'homme qui court derrière elle. Tu dis, mais il cherche même quoi derrière la femme si. Parce que la femme là croit, elle s'en fout. Elle croit. Merci Véronique. Elle croit. Mais elle
Elle ne s'habille même pas. Lui, il est fringué comme ça. Là. Il cherche quoi derrière elle? Elle mange le couscous. Alors que moi, je connais manger le caviar. Il faut venir me chercher, ma chérie. C'est le couscous que la fille a mangé là, qui plaît à l'homme là. Je t'assure. Ouais. Quand vous allez avoir confiance en vous, en vos choses. Sinon, tu vas souvent rester au sein, tu vas commencer à dire que ah, je suis que mon mari va partir ailleurs. Non, ma chérie. Tu as mis sa tête ici, là. Tu as fait comme ça. Il ne va partir nulle part. Jamais. Et parfois, tu peux avoir des gens de ta famille qui viennent et ils sont. Supposons que toi, c'est un peu tes habitués, parce que des personnes extravagantes. Et c'est que le jour, elle vient chez toi. Mof, elle va taper les tchakas habits sur elle comme ça. Venir, peut-être pas venir devant ton gars comme ça là. Fais comme ça là. Faut te les décolter. Fais, tonton, mon beau. Ma chérie, c'est moi qui l'ai choisi. Montre du dessin. Tu as compris? C'est moi là qui l'a choisi. Oui. Je suis tombée sur la page d'une femme comme ça. Elle est mariée en Canadien. Elle est enceinte actuellement, mais je crois qu'elle doit accoucher ces jours-ci. Et sur sa page, elle montrait comment son mari l'a rencontré. Elle montrait les habits qu'elle avait. Le jour où elle a demandé sa main, elle avait même le cabas. Et elle avait une dent qui avait sauté ici, un truc comme ça là. Peut-être que vous connaissez la femme. Moi, je suis tombée comme ça au hasard sur sa page TikTok. Après, c'est parti. Et tu la vois. Son mari est beau, hein. C'est pas qu'on sait pas qu'il est laid. Il est beau. Et il aime sa femme, oh. Il aime sa femme. Donc. Ah, elle a accouché une fille. Je ne connais pas son nom. Je l'ai vu une fois sur TikTok comme ça. C'est que TikTok, parfois, tu fais ça, ça part. Après, ça vient, je sais pas. J'avais vu la femme, elle était très simple. C'est sa simplicité vraiment qui m'a attirée. Elle dit que non, quand moi j'ai rencontré mon mari, j'avais même une dent qui était cassée ici, là, oui. Et elle était avec son cabas le jour, elle a demandé sa main. Je dis, waouh, c'est rare de voir quelqu'un qui va. Et ce n'est pas parce qu'elle a les followers que ça va faire, va changer. Elle change pour vous faire plaisir. Pardon. Elle est comme elle est. Oui. Donc, et vous savez, avec le monde dans lequel on est, comme dans les réseaux sociaux, parfois les gens vont se dire, si je suis comme ça, ça va me donner ça. Ça vient d'abord de l'intérieur de toi. C'est ton image de toi, comment tu te vois et comment tu crois que tu es. Et je mentionne toujours, il faut que ton cœur soit pur. Ton cœur doit être clean et pur. Les gens ont trop de mauvais cœur ici dehors. Les gens ont le mauvais cœur ici dehors. Hush. Tu es avec quelqu'un comme ça, tu es simple, tu es toi. Ah, moi, je suis moi. Oui, non, on est là, non. Le jour où tu entends comment elle parle de toi, tu dis, mais je planifiais même faire venir ces deux enfants ici. Je voulais faire ça, ses papiers pour que elle ait le truc, vienne vivre ici. Mais pourquoi? Pourquoi? Parfois Dieu va vous montrer pour que vous ne vous cassez plus. Parce que Dieu te donnait le succès quand tu avais encore le cœur là, que n'importe qui pouvait venir. C'est que on t'a volé 1 million, bête à 1 million qu'au lieu qu'on te vole 500 millions. Il a volé 1 million, tu as vu, non? Ça l'a exposé, non? Il est parti, non? Bête à ça. Au lieu que c'est plus tard. Je dis, mets-moi la main sur la tête comme ça. Que doit être chaque jour avec la femme là ici. Chaque jour. Diamant Choco, comment tu vas? Tu m'as offensé comment? Tu ne m'as pas offensé. Pardon, je ne sais pas si c'est à moi que tu parles.
Un diamant choco, je te connais très bien. Je me rappelle de toi. On t'a bossé ensemble, non? Tu m'as offensé comment, mamie? Moi, je garde pas mal de choses dans mon cœur. Et tu ne m'as même d'abord rien fait, donc. Là, on peut. J'étais tombée sur ton TikTok un jour. Je crois que tu avais eu des violences conjugales, un truc comme ça. J'avais vu un ton TikTok une fois. J'espère que tu vas bien maintenant. Et j'avais aussi aimé le fait que tu sois très transparente dans ce que tu montrais. Parce que les gens n'aiment pas la sincérité sur les réseaux sociaux. Les gens aiment cacher les choses. Du coup, quand tu viens, tu es vrai, ça gêne les gens. Ça les énerve. On espère que tu vas bien. Donc, de tout, si je, Dieu doit d'abord t'exposer ces personnes. Il doit durcir ton cœur. Et tu dois apprendre aussi à attraper ta bénédiction et ne pas laisser partir. Parce que beaucoup d'entre vous, vous pensez que votre destin est dans la main d'une autre personne. Souvent, quelqu'un t'accueille même. J'étais bloqué sur TikTok, mamie. Non. Non. Ton nom sur TikTok, c'est quoi? J'étais bloqué. Ah, je te bloque pourquoi? Peut-être, tu sais, souvent dans la vie, les gens peuvent avoir des films dans leur tête. Tu sais, tu peux voir un truc. J'ai même un ami que j'ai bloqué sur Facebook sans savoir. C'est l'autre jour qui m'écrit, il me dit que je ne peux pas voir tes vidéos. Peut-être c'est fausse manipulation. Mais ma chérie, je crois que ça fait au moins 4 ans, 5 ans qu'on n'a pas parlé. 4 ans, 2018, c'est la dernière fois qu'on s'est vu. Je vais t'en vouloir pourquoi, ma chérie? Tu m'as fait quoi? Rien. Donc, parfois quelqu'un peut t'accueillir. Quelqu'un t'accueille en Europe. Et quand tu arrives, la personne a déjà une situation. Et dans le cœur de la personne ne veut pas que tu la dépasses. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Elle va te conseiller, mais si après elle voit que tu es en train de creuser ta propre voie et que tu es en train de... Dans ses projections, tu vas la dépasser dans 2, 3 ans, 4 ans. Ça, la personne va commencer à faire les... Tu vas voir les accès de jalousie. Mais c'est... Oui. Vouloir te bloquer, parler mal de toi aux gens. Elle arrive que pense que peut-être que telle personne a été te donner telle faveur. Je vais te regarder sur TikTok après. Je vais écrire ton nom. Parce que je ne pense pas que j'étais bloqué. Mais bon. Petit Cooper, je vais regarder. Donc vous allez voir que. Et quand la personne te fait ce mal-là, tu prends sur toi, tu ne parles pas. Dans cette phase, Dieu veut que tu apprennes à te lever. Seigneur, expose tous mes ennemis. Je mets le feu sur eux. Ouais, sur TikTok, comme on a dit que le feu sur toi. Mets le feu sur eux. Et quand Dieu t'expose ces gens-là, que tu crois que tu étais dedans. Alors souvent, quand Dieu vous montre les choses, vous voulez encore vous convaincre que. Et revenez très difficilement sur vos décisions. Parfois, Dieu va te. Tu vas te lever un matin comme ça. Moi, c'est ça, c'est moi. Dieu va rester comme ça, là, je vais te regarder. Je te tolère. Tu fais tes choses, je crois qu'elle ne voit pas. Je te tolère. Un matin, me lève. Il te bloque. Tu t'enlèves. Parfois, c'est des employés comme ça. Tu fais tout à l'employé, là, tous les comportements bizarres, les caractères bizarres. Un matin, il arrive au bureau comme ça, il dit que c'est bon. Ma chérie, on va se dire, bye bye, comptez son argent, vous donnez. Après, tu vas s'en compte. Quelqu'un vient te dire, ah, tu ne penses pas que tu as exagéré sur la femme là. Tu ne penses pas que. Ou même la personne t'appelle, il commence à dire, ouais, tu sais, je suis désolée. Ma chérie, comme elle revient là, comme la personne là revient, c'est pour te mettre encore le couteau seulement dans le cœur. Donc, il faut faire très attention. Un leader n'est pas quelqu'un. Un leader est aimable. En même temps, il est imprévisible. En même temps, on ne peut pas le cerner. Il est intelligent. Il est rusé. C'est ça que Jésus a dit, soyez inoffensifs comme les colombes et rusés comme les serpents. Tu es rusé.
En même temps, quelqu'un vient, il croit qu'il peut t'exploiter. Ah, j'ai demandé l'argent, il l'a donné. J'ai encore demandé, il l'a donné. Ça veut dire que je peux prendre son argent quand je veux. Oh non, non. Il arrive un jour que tu as dit au vigile qu'il n'entre plus ici. Oui. Parfois, tu restes même, tu sors avec un gars, il est là, il t'exploite tous les jours. Tu guettes, tu observes, tu observes, tu observes. Un matin, tu te lèves, tu dis, c'est fini. Sors, c'est fini. Sam, on dit Coca-Cola, sors de chez moi. Sam. Ami. Sors. Comme il est parti là comme ça, tu as dit bye, c'est fini. Ah, tu sais, tu étais la femme de ma vie. Gna, 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 gna. Ouais, que tu le reprends encore là, ouvre encore la porte là, tu vas voir. Donc, c'est cette balance-là que les ancêtres veulent que vous ayez. Et surtout que tu arrêtes, parce qu'il y a des personnes à qui tu te confiais, que tu arrêtes avec ces personnes-là. Là, maintenant, tu arrives à un autre niveau. Tu te lèves le matin comme ça. On m'a montré deux choses dans la nuit qu'il faut que j'adresse. Tu pars, tu commences, tu fais tes libations, tu parles. Tu es au pays, tu pars au village. Tu pars au village, toi-même, tu fais tes rites. Toi, tu blagues pas. Oui. Tu finis maintenant. Tu rentres dans ta ville où tu vis. Avant, tu devais appeler tout le monde. J'ai besoin d'aide. On fait ça comment? Non. Tu as grandi. I'm grown up now. Ils viennent t'attaquer dans la nuit. Tu enlèves leurs yeux. Tu les décapites dans les rêves. Même t'appeler, ils ne t'appellent plus. Il y a le feu dans la maison de la fille là. Oui. On commence à avoir peur de toi. On te montre leurs choses. La nuit, on te montre les choses qu'il va te faire pour avoir l'argent. C'est parce que si tu savais les projets que j'avais pour toi. Je voulais faire venir tes deux enfants ici. Je voulais arranger ta maison là. J'avais déjà prévu, quand en février là, je vais, ou bien en décembre là. Voilà, décembre, le mois prochain. C'est le mois-ci que tu me montres ton vrai visage. Dieu est en train de t'épargner les choses. Tu vois, on a trop abusé de toi. On a trop abusé de toi. Et en faisant ça, tu n'as plus de remords, tu n'as plus de. Oh, peut-être que j'ai exagéré, peut-être que je suis trop dure. Oh non, non, non. Ma bébé, you're not trop dure. You are not trop dure. You didn't hear me. Tu me comprends, non? Les gens qui te connaissaient avant là. Non, Jocelyne, tu lui fais le mal. Fais-lui ça, elle ne va rien faire. Vole son argent. Vole, elle ne va rien faire. Elle est gentille. Quand tu vas venir, tu vas lui expliquer que tu étais. Tu vas lui expliquer que tu avais. Vous avez vu les personnes qui sont déjà habituées, ils vous connaissent déjà. Ils vous connaissent déjà. Que non, elle a un bon cœur. Il suffit que tu viennes là-bas, tu la conduis même 2 jours. Tu ne peux pas une bonne nourriture, tu viens lui donner 2 jours, tu parles, tu la supplies. Après, elle te reprend encore. Elle te reprend. Le tout, c'est là. Même te voit, il ne te voit pas. Il arrive, il parle, il parle. Tu l'écoutes en riant. Il sait que c'est entré. Il rit. Tu l'écoutes. Oui, j'ai compris, tonton. Oui, tonton, j'ai compris. À la fin, il dit, bon, ouais, j'ai besoin de 300 000 là. Est-ce que tu peux même nous aider? Ah non, tonton, il n'y a pas. Hein, il n'y a pas. Il fait, oh. Oh. Mais avant, ça passait. Avant la fille, là, ah! Tonton, tu as fini, je suis occupée, j'étais en train de travailler. Bye bye. Oui, la ménagère va te montrer la route. Bye bye, bye tonton, bye. Il fait, oh! Vous là, que dès qu'on vous appelle, Western Union, tu es là au bureau de Western Union pour envoyer l'argent. Tu es au bureau de MoneyGram. Hein?
L'enfant a chauffé dans la nuit. Vraiment, il faut qu'on l'amène à l'hôpital. Il faut combien? Il faut combien? Je vais envoyer. Tu es là-bas, tu as tes dettes que tu dois rembourser. Nous sommes attachés. Maintenant, on écrit. On t'écrit. On écrit. On écrit. On appelle. On appelle. Ça fait 3 jours que tu vois le message. Moi, je suis devenue grave. Ma part de degré, c'est là. On me met plus la pression. Pression de finish. Nina ou c'est ni Simone. Mamie, la consultation, c'est même combien là? Il y a la, deux prix pour la consultation. Si vous avez le temps, merci beaucoup pour les roses, mon ex. Tu es mon ex. Et puis la consultation. Il y a la consultation normale, 56 euros. La consultation urgente ou bien VIP. VIP, c'est 110 euros. Il faut être prêt à attendre. Si tu payes le normal, ne m'écris pas après 3 jours, tu dis que tu veux me parler. Tu as compris, non? Et aussi, la lecture de destinée. Quand vous demandez la lecture de destinée, attendez même 2 semaines, je vous en prie. Parce que la lecture de destinée, c'est très délicat. Ce n'est pas le truc que je fais à la hâte. Lecture de destinée, mission de vie, là. On sait qu'avant, quand tu envoyais le message, tu courais pour aller envoyer l'argent. En France, c'est 34 000 et 65 000. Bon, si vous êtes en Afrique de l'Ouest, c'est 80 000 pour la consultation urgente. Tu ne venais pas m'insulter ici, hein? Tu as suivi. Ça fait 2 heures que je parle. Donc moi, j'ai des gens qui me paient 80 000. Je m'assois et parle avec eux. 20 minutes, 30 minutes. Et ça donne leur, ça les éclaire, ça leur donne leurs idées, ce qu'ils voulaient savoir, ils savent ça. Voilà. Bon, les gens qui ont rêvé qu'on leur a volé des choses, volé le sac, voler la bille. Les choses comme ça là. Pour la consultation, je n'ai pas un nombre de temps. En fonction de l'énergie. C'est pour ça que je demande aussi beaucoup de vous faire le... Faites beaucoup de lavage au sel. Parce que tu peux payer même 80 000, tu peux payer même 100 000. Mais ton énergie n'est pas bonne. Ton énergie n'est pas bonne. Parce que tu ne laves pas avec le sel. Et ton cœur est noir. On ne peut pas se parler. Non, le chewing-gum, celui-là, c'est le chewing-gum des blancs. J'ai acheté ça à l'aéroport l'autre jour, c'est très bon. Très flexible. Et je n'aime pas le chewing-gum quand c'est sucré. J'aime justement quand ce n'est pas sucré. Ouais. Le chewing-gum, ça, c'est pas le chewing-gum de 3 à 5 ans au quartier, là. Ça, c'est vraiment très bon. Si on a volé, si on... Oh, arrêtez de m'appeler. J'ai donné le numéro pour vous appeler après, non. Appelez après, j'ai dit. Si on vous vole des choses dans le rêve, parce que c'est Dieu qui est en train de vous montrer que sûrement, si vous remarquez bien, vous avez, si on te vole quelque chose dans le rêve, la période là, si tu avais un deal ou bien quelqu'un est promis de te donner l'argent, il ne te donne plus. J'ai consulté une femme comme ça hier. Elle me disait justement que chaque fois qu'on lui promet quelque chose, la veille du jour, on est censé lui donner. La lecture de destinée, c'est 100 000 francs. 100 000 francs, c'est ça. Ça, c'est peu importe le pays, 100 000 francs. C'est pour faire la mission de vie, pour savoir. C'est pour ceux qui sont prêts. Pourquoi tu es venu sur la terre? C'est Dieu qui est en train de te montrer qu'il y a en fait l'argent que tu perds ou l'argent que tu ne reçois pas. Ce n'est pas simple. Souvent, il y a des esprits serpents, comme la femme que je consultais en particulier. Il y avait un esprit serpent qui volait son argent à chaque fois.
Parfois, ce sont des esprits ancestraux négatifs. Tout ça. Donc, quand vous avez fait vos lavages au sel, le truc c'est quand vous commencez à faire vos lavages au sel, le travail spirituel, tu commences à te connecter à toi-même. À toi-même à l'intérieur. Et tu commences à t'écouter. Tu laisses tes anges te guider. Je sais que vous faites plus confiance à un marabout qu'à vos anges. Je ne sais pas pourquoi. Ton ange qui connaît la vraie vérité, si ça existe même, la vraie vérité, comment on dit vraie vérité là, crois en ce que ton ange te montre. Crois que quand tu vas demander, ils vont te donner, ils vont te montrer. Oui, tu peux faire le lavage en étant enceinte. Donc, il y a des moments où quand vous faites beaucoup de travail, ils vont vous montrer qu'on vous a volé, après on a restauré. Parfois, on te montre qu'on t'amène quelque part dans une salle, il y a beaucoup d'argent. Et parfois, il y a des rêves répétitifs. Chaque fois que tu es dans une salle, dès que tu veux prendre ton argent, l'argent disparaît. Et après, quand tu vas commencer à être restauré, tu vas rêver que tu es arrivé dans la salle, par exemple, tu as pris ton argent, tu es finalement parti avec. Donc, je vais pas, si je rentre dans les interprétations de rêve, vous allez trop m'emmener dedans, je veux pas. Donc, c'est un peu ça. Et parfois, tu peux faire un rêve, tu te réveilles le matin, demande à tes anges, notez vos rêves. Vous suivez? Lève-toi le matin, tu écris ton rêve. L'autre jour, je me suis assise, j'ai vu mes rêves sur un an. J'ai dit, waouh! Parfois, je lis, il y a des choses qui sont réalisées, il y a des choses. Parfois, tu rêves que quelqu'un t'a trompé, quelqu'un t'a utilisé. Et 6 mois plus tard, tu découvres. Là, quand tu lis, relis tes rêves, tu dis, waouh, j'avais vu ça dans le rêve. Tout le monde rêve, c'est seulement qu'il y en a qui ne se rappellent pas. Ne me demandez pas comment faire pour se rappeler des rêves. Ok? Ne me demandez pas. Bon, on a beaucoup parlé aujourd'hui. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Roland m'a déjà envoyé la photo de la nourriture. Je crois que la nourriture est prête. Donc, vous savez ce qu'on va manger cet après-midi. Le ndolé est déjà prêt. Je suis en classe avec les camarades de classe. Tu dois, les anciens élèves là, c'est qui de fondation? Dans tes fondations, il y a des choses qui ne sont pas bien. Si ta mère vient en songe, ce n'est pas négatif. Tu dois lui demander ce qu'elle veut. Parce qu'elle est venue te dire. Ah, ne commencez pas avec vos rêves. Oh. Bye bye. Bye bye. Bye. Okay. Bonne journée. Si j'ai l'énergie, demain je peux faire. Faire un direct sur les rêves. Seulement quand c'est comme ça, vous allez dans tous les sens. Vous allez dans tous les sens. Et vous êtes aussi paresseux. Vous ne voulez pas faire le travail. C'est ça qui m'énerve. On parle de tout ce qui t'importe. Alors que si tu t'asseyais, je vous dis, notez vos rêves. Vous allez voir qu'il y a beaucoup. À part ce que le petit détail que tu te rappelles, il y a d'autres choses dans ton rêve qui te montrent. Mais tu ne veux pas écrire. Parce que tu ne veux pas te discipliner. Dans le spirituel, tu ne peux pas être paresseux. Parce que ta vie ne t'appartient même plus. Tu fais seulement ce qu'ils te disent de faire. Et souvent, tu veux même déménager. Tu as planifié déménager. Dans la nuit, on vient dans le rêve, on te dit que ne déménage pas. On ne te dit pas clairement, mais tu peut-être te vois dans la nouvelle maison. Tu vois, la nouvelle maison est pleine d'araignées, un truc comme ça. Là. On a été te montrer que ne pars pas dans la maison là. Même si tu as emballé toutes tes choses, annule le déménagement. Mais tu vas perdre de l'argent. Le rêve, ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas seulement le film que tu as sur l'écran de la nuit, là, non. Ce sont des messages. Il y en a parmi vous, dans le rêve, ils vont venir vous restaurer votre pouvoir. On va venir, on va te donner ton pouvoir. On va venir te mettre la bague sur la main. On va te donner une couronne. On va te donner une chaise. Doris Ngonga, là, c'est vraiment ma commande. Ndolé un peu à main. Vous suivez bien.
Vous arrêtez la paresse dans laquelle vous êtes. Tu vois, dans le rêve, on va te montrer les outils spirituels que tu peux utiliser. On va te montrer même les bains. Que prends ça, avec ça, tu mets comme ça, tu mélanges. Tu prends ça, avec ça que tu chasses un démon chez toi. Souvent dans le rêve, on va te montrer le jujube avec le sel. Yael, que tu dis que quoi? Oh, gomme. Et? Tu dis que quoi? Notez vos rêves. Je sais que quand elle parle là, sur 100 personnes qui m'écoutent, il y a deux que vous allez savoir que je confirme ce qu'on vous a dit depuis. Pour passer à l'étape de maître spirituel, ça ne vient pas comme ça. C'est pour ça qu'on ne peut pas te détrôner. C'est pour ça qu'on ne peut pas te détrôner. Parce que ta force là, tu ne sais même pas comment, tu ne peux pas expliquer à quelqu'un que voilà comment je fais. Mais c'est dans toi. Tu sais que tu dois faire ça. Tu te réveilles, tu as comme une... On dit en anglais, you have a knowing. Tu sais dans toi. Je sais que je dois faire ça. Tu avais prévu de partir à tel endroit, tu lèves le matin, tu prends la voiture. Ça fait que tu dis que pas de ce côté-ci. Pas seulement, tu vas voir. C'est ça qu'on dit être conduit. La Bible a dit dans Romains chapitre 8, verset 14. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les enfants de Dieu. La Bible, là, c'est pas le pasteur qui va t'expliquer la Bible. C'est pas le pasteur. Laisse ton esprit t'expliquer la Bible. Là où tu vas comprendre, tu vas dire que waouh, what? Waouh. Et tu vas comprendre que là où tu es là, tu es une grande personne dans le spirituel, mais tu te simplifies. Tes ennemis connaissent qui tu es plus que toi. Tu crois qu'ils te détestent comme ça, pourquoi? Il faut faire Yael, si c'est Yael, il faut faire. Si tu ne fais pas, tu vas seulement lire le nom. Tu vas répéter, tu vas tourner en rond comme ça. Il y a des gens parfois qui me contactent, disent que dès que tu es vu, il y a une voix qui m'a dit que tu dois lui parler. Et le jour là, la personne m'a parlé. Pour me parler le même jour, parfois c'est très difficile. Je dis toujours aux gens, c'est très difficile. Voilà le numéro là-bas, 680-00237-680-711-0701. Merci d'avoir posté le numéro. Merci mes secrétaires de TikTok là. Parfois tu vois quelqu'un qui tourne dans les millions. Elle est jalouse de toi. Parce qu'elle connaît ton rang spirituel. Et toi-même, tu ne connais pas. Véronique, je vais te gifler. Tu dis que trop parler donne faim. J'ai déjà faim à cause de vous. Hein? J'ai mon dolé qui m'attend là-bas. Je suis en train de vous parler. Attendez. Je vais mettre un petit bon whisky au-dessus. Je sais pas. Le vin blanc. Du moelleux. Et je vais penser à toi, Véronique. Je vais te charnier. Cette personne qui est intéressée, qui te jalouse ou qui te... Tu ne sais pas ce qu'elle te veut. Cette personne connaît ton rang spirituel. La personne connaît ta couronne. La personne connaît la chaise que tu as dans le spirituel. Il est temps que cette chaise-là quitte de l'invisible, ça passe dans le visible. Ça quitte de l'invisible. Parfois tu dis, ah, elle a tout, je ne sais pas pourquoi, ce qu'elle me veut, elle me jalouse, pourquoi. Pourtant elle a tout, je n'ai rien, ma chérie. Quand ta part va commencer à venir, ça va te dépasser pour elle 100 fois. Parce que vous ne vous connaissez pas. Vous ne connaissez pas l'aura que vous avez. L'aura que vous avez. Certains d'entre vous, vous dégagez une énergie, une puissance.
Vous voyez souvent quand les pasteurs marchent, les gens tombent là. Ce n'est pas parce que toi tu n'as pas les adeptes ou c'est les quoi là dans ton église. Ce n'est pas parce que tu n'as pas l'église que tu n'as pas la puissance. Hein. Merci pour vos cadeaux. Mais vous êtes gentil sur TikTok aujourd'hui. Hein. Esther, merci beaucoup. Katnao, merci pour les roses. Demain sur TikTok, il faut apporter vos cadeaux. Si je fais le direct où j'interprète les rêves, vous devez absolument envoyer les cadeaux pour que je fasse vos interprétations de rêves. Sinon, je paye, je ne fais pas. Bon, ça prend trop d'énergie cette affaire. C'est Facebook. Les gens de Facebook, vous n'avez pas trop de chance quand j'interprète les rêves. Parce que vous n'avez pas le moyen de me donner cadeau. Et parfois sur Facebook, vous êtes chiche. Vous êtes chiche, je vous dis. Vous venez m'écouter chaque jour. Comme ça, là, vous buvez mon énergie. Vous ouvrez la bouche, vous savez, mais. Après, il dit que faites même l'offrande de 5 euros. On faut quand même avouer que les gens qui me suivent sur Facebook sont quand même, ouais, sont quand même généreux. Oui. Tu sais qui a vomi la mousse après le bain d'urine là? Il y a les choses, il y avait les choses dans ton corps qui sont en train de sortir, non? Tu es en train d'être délivré. On peut donner les étoiles sur Facebook. Il faut qu'ils cherchent comment ça fonctionne ça. Je vous dis, il faut être généreux. Tu peux parler quelque part, tu bouffes chaque jour, tu manges, tu manges, tu manges, ça te fait grandir. Ce que tu es en train de manger là, tu vas grandir spirituellement, mais ça ne peut pas te faire, ça ne peut pas manifester physiquement. Parce que ce sont des lois. Tu dois utiliser le physique pour donner et compenser pour que ce que tu as reçu spirituellement se transfère et devienne physique. À bon compreneur, comprenne. À bon comprenant, comprenez. Je sais que vous avez les réseaux sociaux là, vous êtes un peu très... Tu ne peux pas suivre quelqu'un qui te bénit spirituellement. Tu ne sors jamais un euro de ta poche pour envoyer à ce ministère ou bien à cette personne ou bien à cette entité ou à cette entreprise. Ne t'inquiète pas, c'est à toi-même que tu fais la chose. Le spirituel est tellement juste. Quand Jésus a dit que chaque grain de cheveux sur votre tête est compté, tout ce que tu sors est compté. Donc, si, coucou, attends, voilà un cheveu qui est sorti. Ouais, le cheveu, c'est là, non? Ouais, ça là, vous avez vu. Vous avez vu? Vous avez vu? Le petit cheveu-ci. Vous ne voyez pas. Moi-même, je ne vois pas. Mais dans le spirituel, c'est compté. C'est ça qui bloque aussi beaucoup de personnes. Vous allez en ligne, vous regardez les gens. Vous vous absorbez. Mais vous avez toujours une limite. Vous êtes toujours, il y a toujours un blocage quelque part. C'est la mentalité des chiches. Donne-moi. Non, je n'ai pas encore. Quand j'aurai, je vais te donner. Donne. Aide-moi. Explique-moi. Ça veut dire quoi? Je fais ça comment? Hein? J'ai fait ça, ça a donné ça. Ça veut dire quoi? Il dit, ouais, que... Ouais. Seigneur. Ouais. Bon, ça c'est aussi l'esprit de petitesse. Chaque fois que je me suis retrouvé en présence de quelqu'un qui est abondant financièrement, que la personne soit chrétienne ou pas, que la personne soit, j'ai toujours vu qu'ils ont une chose en commun. Ils donnent beaucoup aux gens. Tu vois, machin avec le gars, il va dire voilà, la femme de mon chauffeur, elle a accouché, je l'ai aidé. Oh, les enfants de mon, c'est moi qui paie la scolarité des enfants de mon, peut-être. J'ai telle cause que je supporte au truc. J'ai tel truc que je dis waouh. En fait, ce n'est pas que sa petite personne. Ce n'est pas que sa petite personne qui supporte dans la vie. Waouh. D'un autre côté aussi, je sais qu'il y a dans le tribunal spirituel,
quand je vous donne de la nourriture spirituelle, je suis en train d'apporter dans mon compte financier. Parce qu'on a tous un compte bancaire spirituel. Et je serai béni sur des générations. Écoutez, franchement, je vous le dis. Ceux qui sont spirituels savent de quoi je parle. S'il y a 100 personnes là dehors que je suis en train d'aider. 100. Oh, merci pour la fleur, je ne sais pas trop quoi. Merci pour les fleurs. S'il y a 100 personnes que tu restes comme ça, ta vie avance. Ou bien tu restes comme ça, tes choses s'ouvrent. Et on peut tracer ça, ça revient sur moi. Ça m'apporte dans le spirituel. Et c'est comme ça que ça se transmet dans le physique. Quand j'ai compris ça, j'étais en paix. Parfois, il reste comme ça. Là. Parfois, c'est TikTok qui me donne l'argent. Parfois, c'est Facebook qui me donne l'argent. Parfois, il reste et passe pas sur les deux réseaux sociaux aussi. Mais un autre moyen. Donc, c'est comme si la nature te poursuit pour te donner l'argent. Oui. Vous avez suivi. Ça, c'est le niveau où tu es de. Tu deviens abondant. Tu deviens abondant. Ça ne dépend plus de ta cousine ou de ton oncle ou de ton boulot. Ou de... C'est ton énergie. Jim, ça ne te dérange pas. Il va te bloquer, tu as compris. Ça, c'est ton énergie. Bon, je pense qu'on a vraiment fini le tout ici. Il est bientôt 12h. J'ai calculé presque 12h. Comme ça, on va aller manger à 12h. Bon, vous passez une bonne journée. Facebook, bye bye.